Bonjour tout le monde. Nous revoilà dans The Walking Dead Sons and Sinners pour l'épisode 5, le régulateur. Casey nous a demandé de retrouver donc un régulateur de débit qui se trouve à Memorial Lanes. Ce sera notre prochaine destination. C'est parti. Bon, alors, direction Memorial Lanes, j'ai décidément, j'arrive vraiment pas à le prononcer. On est comment? Je suis pas trop mal niveau santé. Petit check. Arc de secours, couteau de secours, bouffe, médoc, bandage, 25 flèches, un arc en bon état. Sur un moyen, mais on va s'en contenter. Bon, là j'aurai pas plus d'infos à ceci, mais donc du coup direction Memorial Lanes pour aller chercher le régulateur. Possibilité de parler au lieutenant de la tour. Me donnera des informations sur la réserve si j'arrive à mettre la main sur des pièces de machine Memorial Lanes dans une maison rouge contrôlée par la tour. Et ben c'est parti. Étant allé au centre-ville et étant revenu entre temps, j'ai pu débloquer l'accès direct à la circonscription sans passer par Memorial Lanes et Rempart. Donc ça a marché. Ma reconnaissance a marché, mais il fallait que je revienne au Havre de Paix pour pouvoir la débloquer. Ok. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même pris ma décision, j'ai quand même commencé par Memorial Lanes. Ok, d'accord. Ah. Qu'est-ce qui va bien pouvoir nous attendre? Ok, la maison rouge ici avec la tour. En face, dans la maison bleue, les reconquis. Je sais même pas d'ailleurs ce que je vais y trouver là-bas. Et du coup, il y aura un conflit entre les deux. J'en sais pas vraiment plus pour le moment. Dans le sens où je dois juste pour l'instant contacter le lieutenant. Et c'est tout. Ok. De toute façon, j'ai pas vraiment 36 solutions. L'accès se fait directement via la maison rouge. Allez, c'est parti. Bah bravo. Je suis nul. Où a atterri la première flèche? Il me semblait qu'elle était plantée par ici. Pas grave. La fameuse maison rouge.
Hey, beat it. Bonjour. Vous me tirerez dessus si je m'approche? Quit poking around. Ça ne me plaît pas, mais elle ne me shoot pas. I suggest you get lost. Bon. I suggest you get lost. Ça va, j'ai compris. La maison bleue. You got nerve rolling in here uninvited. Don't mean to intrude. We don't need strays poking around right now. We have enough problems to deal with. Maybe I'm the solution. You know what? Yeah, you might prove useful. My brother is in some deep shit. Pack of reclaimed scum snatched him. Anthony's a good kid. Bit dim, but he doesn't deserve whatever those freaks have in store. We can't get anywhere near where they're holed up. Light Blue House across the way. They'll gut him immediately if they see us coming. But you? They don't know you. You'll be able to stroll right in. After that, whatever you need to do, that's your business. Personally, I'd put a few bullets through their skulls. Let the dirt reclaim them. How did he get caught? Like I said, he's stupid. Cocky too, not a good combination. I keep telling him he needs to toe the line. The Tower Brass doesn't appreciate recklessness. Maybe this whole situation will teach him a hard lesson. Sounds like I can be of service. Get to it then. Knowing how those savages operate, he might not have much time before they execute him. Vous me permettez que je finisse mon petit tour. L'art de ne pas réussir à rester neutre. C'est plus fort que moi, faut toujours que je me mêle des affaires des autres. Un jour ça va me retomber dessus. Ah, ça fait comme 4 de chute de bois. Attends, ça rentre dans le sac, ça. Ah oui. Pour les chutes de bois, hein. Ah, il y a quand même des zombies dans le coin. Oh. Se manier le cul avant qu'il se fasse désinguer. Salut. You're sorry. Do you realize
realize how pathetic that sounds. Sorry ain't enough to forgive what you did. Fuck. Bonjour. Ah, je présume que c'est lui, frangin. Who the hell are you? The negotiator? A big tough Jeff, too chicken shit to show his face and beg for his little brother's life. Not sure I really see the point. Looks like I just walked in on something that's none of my business. I smell bullshit. It's unwise to wander where you don't belong, and you don't strike me as a fool. But hey, I'm willing to play along. We could use some entertainment around here. We are about to execute this filth. Wanna know why? Non, m'en bats les couilles. Not interested. Fair enough. Guess I was wrong about you. You just might be the biggest fool I've ever seen. On tente la carte du bluff. It's difficult. But sometimes, we have to choose justice. I'll take care of him. I tried to... I tried to make things right. I tried. I tried to make things right. I tried. If you... I tried to make things right. I tried. Tu m'excuseras si ta notion de justice n'est pas vraiment la mienne. Et ma carte du bluff fait une bonne pioche pour le coup. Tu trouves pas? Bon, du coup, ils verront pas un inconvénient à ce que je fasse un peu de ménage. What the f... Chute de bois. Inintéressant. Ça. Permettez, hein, que j'en profite. Déjà complet. Bâton 1, objet tranchant 2. C'est plutôt intéressant ça. Ça peut paraître con que je prenne des balles. Mais on sait jamais quand même, hein. Si un jour je me retrouve. Attends. Un pastille à la menthe. On sait jamais. On sait jamais si un jour je peux être confronté à devoir utiliser des armes à feu, je serais bien content d'avoir des munitions. Y a que les cons qui changent pas d'avis. En attendant. Désolé. Chute de bois 2. Chute de bois 1. Allez hop, ça représente au moins une chute de bois. Ça, c'est de la bouffe. On prend. Adhésif. Voilà. Y avait-il autre chose que j'avais oublié? Ouais, il me semblait bien. Allumette. Il est parti par là. J'espère pas tomber sur d'autres gardes. Et j'espère pas non plus qu'il sera dézingué. Ah ouais, ils sont comme ça.
Évidemment. Ok, on va retourner vers la maison rouge qui est là si je me plante pas. Oh oh. J'aurais dû commencer par ça en fait. Je m'attendais pas en sortant à tomber sur autant de zombies. J'aurais dû dégainer l'arc tout de suite. I was skeptical, but you pulled it off. I didn't think I was ever gonna see my little bro again. You have my thanks. Anything you can scrounge up in that house is yours, as promised. No hassle from us. You did a good thing today. Bah merci. Mais garde bien l'esprit que je suis pas l'un des vôtres. You've given me a second chance. Thank you. I promise to make the most of it. Comment dire? J'ai dû quand même tuer 4 personnes pour en sauver une. Mais eux, ils étaient dans l'optique d'une exécution sommaire. Là, moi, j'allais sauver un prisonnier. C'est vraiment pas la même circonstance. Bonjour. Oh ouais. Ça, je peux pas le laisser passer. Alors. Ah ah. Hey, big brother. There's not much to say beyond I'm sorry, but I have to do this. I can't sleep. I can't eat. I'm a wreck, Jeff. I keep seeing that little girl's face. These visions of her turning. This whole mess is fucking with my head. What did the Martins do to deserve being exiled? It makes no sense. They are good people. Now, I know this might put you in a tough spot. Please forgive me, but I need to make things right. At least give them a slim chance to survive out there. I swiped some supplies from our camp, so you know who to blame. Don't want any other innocent people taking heat. I'm going out to find the Martins and deliver the stuff. Least I can do. I pray it'll help me get my head straight. If I'm not back before the bells, wish me luck. Your little bro, Anthony. Ah bah putain, c'est peut-être celui qui a l'esprit le plus ouvert dans l'histoire finalement. Je trouve quand même important d'avoir du bandage. Mais lâche-moi! J'ai dit! Hmm? Me fais pas peur comme ça, bordel! On est d'accord que vous êtes au courant que votre boss m'a laissé venir ici? Bon, ok, j'ai compris, je me casse. Tough road, going it alone. Et toi, par pitié, fais pas de conneries, essaie de rester en vie.
T'es peut-être le moins stupide de tous. J'ai compris, je me casse. Tchao les nazes. Bien. Ouais, du coup, vous faites assembler la régule. Ah! Ouais, je fais vite, je fais ça vite fait. Ok. Il va falloir que Cassie m'explique comment ça fonctionne, parce que je comprends rien du tout. Mais avant... Deux secondes. Avant... Bien! Non plus. Par là qui est ici. Ah oui. Il va falloir passer la journée comme ça. D'abord, je juste m'assure un truc au niveau de l'arc que je suis. Ok, bon. Ok, on va changer de surin. Bien. 20 flèches, on reste comme ça. On va faire passer la journée. On va faire plutôt passer la nuit pour accéder à la journée suivante. You there, Casey? Come in. Yeah, I'm here. Wow, you're back. Did you get it? Had to deal with some shit. But I got what you needed. I delivered. Now it's... This is great! Finally, some progress. It's a relief. Okay, let me find the manual for that thing and we can get it calibrated. You're stalling, Casey. I want to hear what you got on the reserve. Not doing anything until you hold up your end. We clear? Yeah, yes. All clear. Okay. The reserve is real. But you already knew that, right? What you don't know is that I am in it. It's an old military bunker built in the 50s or 60s. Right after the flood, the National Guard used it as a staging area to distribute disaster relief supplies. But once the dead started walking and things really went to shit, I had no choice but to get inside and hunker down. I thought I was safe for a little while, but now I'm fucked. The flood water up top was too much for the reserve's pump system. It malfunctioned, and now the whole place is on lockdown. I'm stuck in the comm room. I'm running out of time. I need to get out of here, soon. God, I can't wait to see the sky again. I've been working with someone named May. She claims to have a key to the reserve. You know anything about this? If your May is May Benoit, then yeah, I've heard of her. Tower is always tossing her name around on the airwaves. They're really after her ass. Consider her a major threat. I don't know anything about a key to the reserve, though. I'll do some research. If I discover anything, I'll let you know.
What's the rush to get out of there? Starvation, for one. I might have a couple weeks left of scraps down here. But none of that is gonna matter if the floodwater sitting on top of this place breaks through. The comm room is filling up slowly right now, but it's only a matter of time before the ceiling collapses. Starvation, crushed, or drowned. Pick your poison, right? Starvation doesn't seem like an ideal way to go. The slow death. Yeah, well, with your help, I'm hoping to avoid all of it. Fuck, I'd rather take my chances on the surface with 100 walkers coming at me. At least I'd have a fighting chance. Look, tourist, I'm not asking you to do this out of the kindness of your heart. I mean, there's clearly something in it for you, big time. If the pumps get repaired, not only will I get out, but the supply rooms will all open up. All those disaster relief supplies, untouched. Not to mention enough weaponry and gear to arm multiple platoons. All for you to do with as you please. And for me, a fresh start and some fresh fucking air. Why do you need me to get you out? Plenty of people are looking for the reserve. Why not get one of these groups to help you? Well, my gut tells me that you're my best bet. The Tower and the Reclaimed are both after the Reserve, sure. Obsessed with it, you might say. They believe it will shift all the power in Nola. But I don't trust them. They're too absorbed by their agendas. You're unaligned. On your own. Like me. And hey, we may as well help each other. Right? I'm willing to take the risk. Oh, fantastic. You won't regret it. Well, it's been a long night, but I'm too wired to sleep. I'm gonna turn this place upside down until I find the manual. You should get some rest, though. I'll contact you in the morning. Good night, tourist. Bah là-dessus, je vais passer à la suite. Il me recontactera demain, mais je vais pas rester sans rien faire. Du coup, direction la circonscription. Ah, le bastion a été débloqué. En débarquant de l'esquive, je pensais pas que je me sentirais aussi peu en sécurité. Je suis vraiment pas à l'aise ici. C'est ça que je veux voir. Yes, elle est là.
Eh ben, je suis pas encore prêt pour du tir à longue distance, moi. Eh ben, pas pour la moyenne non plus, cela dit. Ce serait ça. Les trois paraboles se trouvent à l'opposé, normalement à droite, les deux sur le côté à gauche. L'une grande orientée ici, autrement dit le point de vue est pris par là-bas. Donc le bâtiment de... Ah bah voilà. Donc j'arrive par ici, j'arrive de ce côté-là, de la partie gauche. Par le côté ici, c'est ça. Oh merde. Ah ouais, d'accord, c'est putainement bien gardé. Ok, ils ont pas l'air de vouloir tirer quand on passe à proximité de leur secteur. Mais qu'en sera-t-il quand on rentrera dedans ? Ok. Hey, beat it. I suggest you get lost. Find somewhere else. These
things just keep coming! Finish it quick! Oh oh. Suggest you get lost. Where the fuck they going to? Limite, savoir que j'ai des personnes armées à proximité vis-à-vis des zombies, ça me rassure. J'ai une couverture. Don't hang around too long. Oh oh. Oh oh. Putain! Hors de question de perdre ça. On va pas rester dans le coin, parce que là, ça va être problématique sinon. Alors, voyons. Donc c'est ici que ça se passe. En haut, j'ai l'antenne. Et là, il y a peut-être une entrée dérobée. Là. Ok, merci pour le soutien. Merci. Dérobé. Oh. Ah, j'avais pas vu que vous étiez juste au-dessus. Well, Turin.
Dis-moi que ça marche et que la flèche va passer au travers des barbelés. Y'en a deux qui discutent, mais où est passé le troisième? Heard something. Merde, merde. Véhicule en question. Ok, les infos sont pas loin. Thank you.
restez pas en vis-à-vis. Casse-toi, putain. C'est bon, j'ai plus rien à faire ici. Parfait. Petite ligne droite, une toute petite ligne droite. Puis flèche, ça va le faire, ça va le faire. Merde, putain, c'est vraiment pas le moment de perdre des flèches. Vraiment pas le moment. Oh putain, cours. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû d'abord bouffer quelque chose pour augmenter mon endu max, puis prendre un modèque pour augmenter ma vie max, et après seulement me faire un bandage. Eh ben...
pas de tout repos. Ça parque aussi HS, je suis bon pour le jeter. Voilà. Ouh, bon. Allez. Ah bah attendez, avant. J'allais faire passer la nuit, mais c'est inutile si je dépose pas les documents à la cache. The traitor bitch has been exploiting tower safe routes. So we are switching things up. Keep her on her toes. Maybe even rid the outskirts of some exiles while we're at it. New stirring schedule below. Georgia. Merci pour ces précieuses infos. Are you there? Yeah! Glad to hear your voice. Ready to get started? Ready as I'll ever be. Okay, good. So, I found the manual for the pump flow regulator. It looks like we need to calibrate it before it can be installed. Each of the pumps has different flow requirements, and that component tells the rest of the system where to route the water. Ça a l'air plutôt simple. Il manque des infos. Calibration? Flow requirements? This is sounding complicated. The manual is pretty clear. I should be able to talk you through it. Let's start with the serial number. Find it on the device and read it to me. Ok, hop, hop. 473-0589-01. Ok, now... Turn the dial until you get some feedback on valve A. Then tell me the number you see.
Attends. La valve A est activée, c'est ce qu'il voulait, hein. Feedback triggered on 55. The numbers turn green. Okay, good. 55. According to the manual, valve B should be tuned to 28 degrees. Okay. Valve B to 28. Got it. Perfect. Okay, last valve. One second. There we go. Valve C should be set to 67. Valve C set. All numbers green. Awesome. Okay, almost there. Now it says, depress the automatic confirmation mechanism. Looking at the diagram here, it's a big round button. Should be obvious. All right. Big round button pressed. Yes! Okay, we're calibrated. Now you need to install this sucker into the pump. The pump, it's located outside of St. Vincent's Church. Beacon lights will be on to help find it, so that's good. Of course, it'll probably attract walkers, so that sucks. Just be ready. The systems down here will let me know when you've installed the regulator. Oh, and one more thing. A little tip that should make life a bit easier and scavenging more fruitful since, you know, we're colleagues now, right? The tower has a radio station, number 47, that broadcasts any significant discoveries in the city and the current schedule for stirring the herd. Might be wise to tune in before heading out for the day. Privileged intel, so, you know, let's keep it between us. All right, gonna take a few moments to clear my head. I'll contact you when it's time for the next step. Good luck, and thanks. Ok. Installer le régulateur dans la pompe située à l'extérieur de l'église. Passer le temps jusqu'à ce que la lanterne soit allumée. Cassie a dit qu'on pouvait glaner des informations précieuses. Soyez à pied en branchant la radio sur la station 47. Et prochain objectif, placer le régulateur de la pompe. Et puis faire une petite écoute sur la station 47. Et ça, ce sera pour la prochaine fois.